Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester avec vous les patchs de chez Biore. Alors pour ceux ou celles qui le savent, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et c'était sur les patchs de chez Biore, les noirs en fait. Si vous pouvez le voir aussi dans cette vidéo, je mets le patch à l'envers exprès parce que le bout du nez à l'époque me faisait vraiment, je le détestais et j'ai pas grand chose tout bout du nez, donc je le mettais comme ça. Donc c'est une boîte où il y a 6 patchs, c'est des sachets individuels comme ça, comme tout patch hein. À l'époque Biore, en tout cas pour ma part, se trouvait que dans les centres Carrefour, ouais c'est ça, dans les grands Carrefour, et ne se faisait pas ailleurs. Petit à petit la marque s'est fait un petit peu plus connaître par Zella des gens. Et j'ai commencé à trouver la marque vraiment partout. Tant mieux, parce que cette marque-là, je l'ai cherchée, mais je l'ai cherchée, mais elle se trouvait nulle part, sauf à Carrefour, pour dire. Et cela apparemment élimine 2 fois plus d'impuretés incrustées. Donc, fini les points noirs apparemment. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Alors, avant d'appliquer le patch, moi, je fais toujours ça, je prends un gant que j'ai préalablement mouillé forcément dans de l'eau chaude, je dis pas brûlante mais de l'eau chaude, et je vais venir appliquer le gant sur mon nez pendant environ 3-4 minutes. En fait ça va venir ouvrir les pores du nez. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre patch, voilà, et vous devez préalablement hyper bien mouiller votre nez pour qu'il adhère. Alors moi je reprends mon gant parce que j'ai mis un, hop, il y a de l'eau dedans, comme ça moi ça m'évite trop de bouger, en fait c'est pour vous montrer surtout quoi. Vous prenez votre patch et vous voyez il y a une forme et vous allez venir l'appliquer comme ça. Et comme ça si vous le voulez, hein, si c'est vraiment, c'est bon quoi, il n'y a pas non plus de mort d'homme. Vous le prenez, vous l'appliquez bien au milieu. Bon, le mieux possible, c'est pas grave, j'ai un peu... Et vous reprenez votre gant et vous l'imbibez d'eau, même s'il est qu'un imbibé. Oh. On recommence et on laisse comme ça le patch 10 à 15 minutes. Donc voilà, maintenant on laisse 10 à 15 minutes. Alors je ne l'ai pas dit, votre patch normalement il est censé arriver quand même un petit peu plus bas. Moi la sensibilité de mon nez, c'est pas ouf quoi. Puis j'en ai vraiment très très peu ici. Donc moi j'en ai vraiment là et ici. Donc c'est pour ça que je le mets plus haut. Mais vous pouvez bien évidemment le mettre plus bas. Alors maintenant mon patch il est totalement dur en fait, tout sec, et on va le tirer et alors c'est dingue, je sais même pas si vous allez réussir à voir, mais il faut que je fasse ça. Oh, parce que j'ai le soleil en plein, il reste un peu des petits bouts, ça c'est pas grave hein. Le produit ils sont pas partis. J'aurais peut-être dû mouiller un petit peu plus quand même. D'habitude je mouille beaucoup plus hein. Bon c'est pas grave. Oh tout là c'est dingue. Surtout autour de mon piercing. Voilà il y a le trou. Là c'est c'est toujours là que c'est pénible à avoir. Les côtés sont vraiment bien partis. Je pourrais même pas vous montrer. Je vais essayer de vous prendre une photo. Comme c'est blanc. Oh regarde, je vais essayer de vous faire un close-up quand même. Je sais même pas si vous allez voir, mais tout là. Tout là. Il y en a. Je sais pas. Ah c'est dommage que vous ne voyez pas, mais franchement, c'est tout doux. Tout doux. Alors, je reviens quelques jours après par rapport au patch de chez Biore, les blancs comme ceci. Alors déjà, il faut savoir que quand j'ai appliqué le patch au bout de quelques
quelques minutes, on sent une sensation de fraîcheur. Et c'est vrai que par rapport au patch au charbon, je ne m'en souviens pas. Donc je pourrais pas vous dire, mais là, franchement, une sensation de fraîcheur qui n'est pas du tout brûlante, qui est hyper agréable. En plus de ça, comme par contre ça je m'en souviens, le charbon, les produits de chez Bioré, ils sont super bons, donc c'est un avantage étant donné que c'est à côté de nez. Et c'est hyper facile à appliquer, donc comme je vous disais, votre patch, vous l'appliquez le plus bas possible et pas comme moi, comme vous avez vu, où j'ai fait un peu trop haut. Et vous avez en fait votre patch, il y a des petites coupures normalement pour mettre ici sur le patch, hein, pour mettre ici pour bien faire la forme du nez. C'est adapté et ça a été étudié forcément pour que ça adhère le mieux possible. Par rapport à cette fois-ci ou aux deux autres fois où j'avais utilisé les patchs, moi j'ai été bleue. Je vais vraiment parler aussi des deux autres fois parce que cette fois-ci, je pense que j'ai pas laissé, ça a été efficace, hein, mais j'ai pas laissé le gant chaud assez sur mon nez, ou alors peut-être que l'eau n'était pas forcément assez chaude, je sais pas. Mais la dernière fois que j'ai utilisé en fait ces deux patchs là que j'avais reçus dans la Glossy Box, eh bien il faisait une chaleur de malade, c'est à dire qu'on était en pleine canicule. Donc forcément, peu importe quel type de peau, tous nos pores sont dilatés et j'avais utilisé à ce moment là. Je crois que je n'avais même pas mis un gant chaud à ce moment là parce que je voyais direct que mes pores, ils étaient genre c'est bon, on peut y aller, tu peux y aller, applique tout, on tire tout. Donc voilà par rapport à ça. Mais autrement, j'ai trouvé quand même une super efficacité. Il faut savoir que chez moi, les patchs, ça fonctionne plus tout ici. Là où ça se dilate le plus, là où quand on applique un fond de teint, les endroits où on brille le plus facilement, ça va être au niveau des ailes du nez. Bah moi, c'est surtout de ce côté-là que ça part le plus. Au-dessus, beaucoup moins. Ça, c'est comme ça. C'est pas non plus une grosse catastrophe. Mais je regarde là, j'ai mis mon fond de teint et depuis, donc ça fait que deux jours, hein, et réellement, mes pores sont toujours apparents. Ça restera toujours comme ça, c'est comme ceux qui sont ici, mais ils sont pas obstrués, quoi, en fait. Et ça, c'est, rien que quand on met un fond de teint, croyez-moi, on voit la différence, quoi. Ah oui, il n'y a pas photo, pas photo. Est-ce que dire oui ou non, c'est plus efficace que ceux au charbon à la première et à la deuxième utilisation que j'ai faite il y a quelques temps, j'ai envie de dire vachement oui. Si je compare à celle-là, je veux dire que c'est pareil. Mais je pense que c'est une histoire de gants chauds que j'ai pas mis assez longtemps ou j'ai pas mis assez d'eau pour adhérer. Hein. Je pense que ça a dû jouer pas mal. Mais franchement, moi, je vous les conseille vivement. C'est une boîte de 6 patch, j'hésite pas à redire une deuxième fois qu'ils sont censés éliminer deux fois plus d'impuretés, je pense, que par rapport aux autres. J'ai déjà testé également d'autres produits de chez Bioré, dont le gel nettoyant qui était au charbon aussi, mais qui était vraiment super, mais qui, moi, je conseille n'est pas utilisé toute l'année parce que je pense pas que ça convient à tous les types de peau. Je sais plus exactement, hein, donc n'hésitez pas à aller voir en magasin. Parce que c'est une marque qui s'est déployée dans tous les commerces maintenant. On la trouve autant à Monoprix, je pense. Je pense l'avoir vu à Monoprix. À Leclerc, sûr, mais pas tous les Leclerc. Vous voyez, le grand Leclerc de Vannes, ils n'y sont pas. Le petit Leclerc, plus du côté chez moi, ils y sont. Donc, vous voyez. À Carrefour également, parce que c'est là-bas que j'ai trouvé les toutes premières fois. Il n'y a que Carrefour qui faisait cette marque-là. Et honnêtement, je suis très contente que... on s'en est tous plus ou moins emparés, parce que c'est une excellente marque et qui coûte pas très cher. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà testés et quelles sont vos marques de patch préférées, parce que j'en ai testé plusieurs, moi, de chez Diadermine, Nivea, mais c'est vrai que ceux-là, ou même les patchs maison, hein, j'en ai déjà fait une vidéo également que je vous mettrai en barre d'infos, mais c'est vrai que les marques de chez Bioré, ça reste les patchs de chez Bioré. Sur ce, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!